places all. All join hands, circle left. Now circle right and listen to me. LS, LS, MFT. Al, mend your corners like swinging on a gauge. A right to you, honey, with a right to left eight. Grand right and left around you go. Lucky strike means fine tobacco. Meet your honey and give her a whirl. All swing around with the little girls. Smoke 'em, then you'll see. LS, LS, MFT. Promenade and don't you fall. Promenade around the hall. Lucky strike is first again with tobacco men. Promenade straight down the pike. It's time right now for a lucky strike. Yeah, my life is gonna be beautiful. I've sunshine enough to spread. It's just like the fella said. Tell me quick, ain't love a kick in the head. Salut. Société Voltaire. Ça ne m'intéresse pas. Non. Allez-vous-en. Vivement la fin du monde. Oui, des explosions nucléaires sont confirmées. Ne pleure pas. Tout va bien. Parfait. C'est mon truc. On est sur la liste. On t'aime aussi. Bienvenue dans l'abrisson. C'est un piège. Ils vont l'arracher en deux. Arrêtez. Oh, ils ont buté mes voisins. Ils ont buté ma femme. Ils ont volé mon fils. Toute dernière génération. Oh mon dieu, tout l'univers est décédé sans moi. Sanctuary. Et là, c'est le moment où je réfléchis sur ma condition. C'est vraiment... Cosmos, tu es toujours là? Qui aurait pu vouloir enlever mon fils? C'était affreux. Deux siècles entiers sans personne à qui parler. C'est l'heure d'éradiquer les nuisibles. T'es que ça. Les balles sont jetées à leur place. Ok. Station, ouais. Quel charisme. Concorde ? Sarcastique. Ces gens-là me plaisent déjà. Et salut, toi. Qu'est-ce que tu fais là, tout seul ? T'es plutôt du genre sac à puce. Hein. Une grotte sous le magasin. Elle est là. Allez, salut tout le monde, ici John Cutter pour l'épisode 3 du Let's Play de Fallout 4. Nous sommes dans un terrier de ratope. Je mets la lumière qui est très verte et très cool, et nous sommes avec Chien. Qui s'appelle en fait Chien, hommage à le Fly 2 peut-être. Et on va donc fouiller cette caverne de Ratop. Je vous rappelle que nous sommes un cax en crête, encore et toujours. Donc on va faire un peu de cax. Voilà. Bon, justement contre des Ratop, on risque pas grand chose. Hein. Je suppose que le chien nous aide. Oh merde, c'est pas ça que je voulais faire. Oups. On va prendre un peu tout parce que j'ai l'impression qu'il y a 10 millions de crafts à faire. Donc en fait, c'est... là où on est sous une station service et on avait Fosse Morille. Pourquoi je prendrais Fosse Morille? Oh là, attendez. Je peux changer d'arme comme ça en mode va vite. Très bien. Mais je veux des Fosse Morille. Non, bah, on va collecter un peu tout et puis je m'intéresserai au craft certainement hors caméra parce que ça va être long. Bah, y a trop de choses à prendre. Et puis j'ai regardé aussi, je me suis promené un peu dans mon inventaire. Ok, ça on s'en fout des radios. Je regardais effectivement dans... Il y a tellement de trucs pour les crafts. Tu serais gentil de m'enlever ton message là. Merci. Ouais, dans Bric-à-Brac, on voit tous les matériaux ici. Plastique, tissu, amiante, etc. qui vont nous servir, je suppose, à construire nos camps. Cueillons plein de choses du coup. Nos camps, ouais, a priori c'est plein de crafts. J'ai vu aussi dans les commentaires, on m'a demandé de mettre les sous-titres pour les dialogues, je l'ai activé. Bon, à l'heure actuelle on n'a pas de dialogue, hein. Peut-être qu'on peut parler aux chiens. Je sais pas si on met des sous-titres aux chiens, ça m'étonnerait quand même. Et quoi d'autre? Un os de jambe gauche, ça déchire. Du coup je ramasse tout parce que j'ai l'impression qu'il y a 50 millions de crafts.
En fait, le chien, il est survénère. Hey, psst. Mais non, pas psst. J'ai pas dit psst. Oh, voilà. Échanger. Qu'est-ce qu'on peut échanger? Tiens, je te donne... qu'est-ce que je vais donner? Des cigarettes. Prends donc ça, mon chien. Non, pas le cube de bois. Le cube de bois est à moi. Ok. C'est bon, tu vis ta vie, le chien. Ça, c'est cool. Un coffre-fort comme ça, ça me fait plaisir. Génial. De l'antigel, on va le prendre, c'est sûr que c'est utile, cocktail Molotov. Prenons tout. Vous savez quoi, j'ai l'impression que mon inventaire se remplit à peine. Mon nettoyant en braxo, c'est quand même l'objet le plus courant de à peu près tous les Fallout du monde. Donc, on va certainement s'arrêter là. Boire de l'eau, elle a pas l'air... Est-ce qu'on prend des radiations? Ouais, ouais, non, laisse tomber, hop. Garde ta merde. Garde donc ça. Ça, ça se cueille, ça? Un nounours. Ok, on va pas le prendre. Des papiers. Ok, ok. Ouais, je suis collé à mon écran, je vois que dalle, du coup. Râteau enragé, oui. Et ils avaient parlé... Qu'après, ils avaient rangé des fûts. Bon, c'est cool, un coffre-fort, c'est déjà une bonne trouvaille. Hein. Et toutes ces... Tous ces très bons champignons. Oula. Quoi? Ah, ça se nourrit encore et toujours. Et encore. J'espère que ça sert à quelque chose. Ce sera une petite soupe. Par là, on n'est pas allé encore. Ok, on prend des radiations. On va faire ça vite. Réacteur à fusion, je prends. Ça doit être cool. Une arme de fortune, un pistolet, je prends. Récompense d'éco champion. Ah, pardon. Au nom de l'antenne régionale de Boston, je souhaite vous féliciter, vous et votre équipe, en vous décernant le titre d'éco champion 2076 pour la meilleure réduction de déchets réalisée par un magasin individuel. Le respect de l'environnement, gnagnagnagna, cordialement, suivant. On s'en fout. Prendre. Des balles. Allez, on prend un max de radiation, on s'en branle. C'est quoi ce truc? Bon, allez, on se casse parce que... J'ai dû prendre cher la fougère, là. Un livre. Des lunettes. J'en voulais. Bric-à-brac, non, divers, soins, tenue, je veux mes lunettes. Voilà, on ressemble à quoi du coup? Comment on fait déjà? Ah, comme ça. Waouh. J'aurais pu tourner dans Matrix en fait. Bon, ok, peut-être pas. Il y a peut-être un souci de coiffure. Livre brûlé, bon, s'il est brûlé, on s'en fout. Et puis voilà, on a... Bon, c'était une petite caverne. Pour la route quoi. Donc la suite des événements, ça va être d'aller vers Concorde pour avoir plus de renseignements à propos de je ne sais quoi. On rappelle que mentalement on doit pas être très bien, on n'a pas encore croisé un seul humain. On se prend peut-être pour le seul homme sur Terre, je ne sais pas. Non, puisqu'on s'est fait capturer notre enfant. D'ailleurs nous avons toujours un désir de vengeance incroyable. Et aussi j'ai vu dans les commentaires qu'il y a un coiffeur qui permet d'obtenir une crête. Qui est certainement notre objectif principal de ce let's play. Bon après avec le peu de cheveux qu'il a, la crête elle va pas être évidente. Mais... C'est un jeu vidéo, hein, tout ira bien. Quel gros flingue. Le minigun. Non c'est pas un minigun ça. Ok. Donc. Réchefflissons. C'était dans carte. On doit aller là-bas. Ouais, c'est ce qui nous a indiqué ici. Très bien. Est-ce que je remets la lumière? Ouais. Bon non, il fait suffisamment clair. Donc je mets... Le chien a trouvé quelque chose. Et t'as trouvé quoi? Putain, tu... C'est fermé. Tu trouves des coffres forts quoi. Lunettes de soudage, on va être obligé de les prendre. Un bandana. Est-ce qu'on peut mettre et les lunettes et le bandana? Juste pour le style. Inventaire. Tenue.
des lunettes de soudage, c'est quand même vachement plus classe. Et ah ouais, on peut mettre le bandana en plus. Alors, ah voilà, là on est plus classe quand même. Il nous manque un petit chapeau quand même, mais je les ai pas prises les lunettes là. Il y en a encore. J'aime pas cette vue, hein. Je suis désolé s'il y en a qui aiment bien la vue à la troisième personne, mais moi ça me fait mal au cœur. Voilà, j'ai pris... C'est l'épingle à cheveux que je voulais, j'ai ramassé un standard, tout va bien. Ah, c'est con. Un beau coffre qui nous a trouvé, le clébard, là, mais... Oh, c'est pas ça que je voulais faire. Allez, relevons-nous. Mais c'est cool de voir qu'il y a des petits... La drogue, ça c'est cool aussi. Ah, est-ce que ça c'est encore utile de dormir? Je sais pas si c'est utile, mais RPM en parlant, reposons-nous, il est quand même 11h du soir. On va se lever à l'aube. Voilà, après une bonne nuit, tout de suite on se sent vachement mieux. Bon, c'est une grande ville, si j'explore toutes les maisons comme ça, ça risque de traîner. Cachette de capsule, bien, très bien. Hein ? Un New Coca-Cola Quantum. Ok. Bon, une petite maisonnette. Enfin, si on explore tout, vous allez m'en vouloir ou pas. Je sais qu'il y en a qui vont vouloir que je regarde tout et d'autres. Bon, on a trouvé Concorde. Ah bah, de toute façon, voilà. C'est vite réglé. Je m'en fous, je fais le tour. Je ne raterai rien. Oh oh. C'est bête, j'ai cru que j'allais pouvoir visiter toute la ville. Zut alors. En fait, je peux visiter que dalle. Ouais, j'ai vu aussi dans les commentaires que je pourrais pas être méchant. Alors ça me déprime. Il va falloir que je sois créatif. A priori, c'est vachement en ligne droite de ce que vous m'avez dit. Enfin, en ligne droite, je sais pas, mais... J'ai cru comprendre qu'on pouvait pas être une saloperie. Et ça, je trouve ça triste. Bon, a priori c'est par là qu'il faut que j'aille, hein, 70 mètres, ok, tout est fléché, archi fléché. Eh bien, je n'irai pas par là. Je vais voir ce que je peux trouver à côté. Que dalle. Ok. J'ai envie d'aller partout. Là c'est cassé, donc là je peux rentrer. Oui. Elle craint un peu cette ville. Hein. Chien trouve un menu. T'es où chien? On devrait se cacher. C'est bien, c'est qu'il déclenche pas le combat automatiquement. Parce que ça m'aurait bien gavé. Oh! Il y a des tirs de laser. Est-ce que t'as capté un truc? Moi je vois que là. Là. T'es un ennemi toi, pillard. Mon bras. Bah ouais, ton bras. Steampack, c'est à moi, démonte le pneu. Hé hey. Jambe gauche, sous-vêtement long, on prend tout. Reste. Attendez. Voilà, par là-bas. Et le mode Svav que j'ai pas essayé. On va pouvoir t'en sortir, hein. C'est pas cette touche là manifestement. Merde, je défonce mon chien. Ah, j'ai encore pris le truc du chien. Il est survénère le chien. Toujours en vie? C'est pas vrai. Il est où, hey, par ici, sur le balcon. J'ai un groupe de colons à l'intérieur et les pillards ont presque réussi à franchir la porte. Je vous en prie, prenez ce mousquet laser et aidez-nous. J'en ai rien à foutre, moi. Bon, en tout cas, j'ai rencontré d'autres humains, c'est plutôt cool. On prendra ton mousquet quand j'aurai envie. On n'a pas le temps. On a gagné un niveau. Donc, voilà, on a atteint le niveau 3, c'est super. Donc ici.
Je vais m'y faire. Donc voilà, je voulais savoir comment on atteint le deuxième étage, bordel. Confirmer le choix. Point de fer. Non. Non mais pas du tout. Donc on a. Nous le but c'est qu'on se tape à coup de barre de fer, quoi. Faire les poches 25% plus facilement. Résistance aux dégâts, c'est toujours utile. Snav. Pistolet non automatique. Des nicheurs de trésors, ça peut être cool, hein, mais bon. Des capsules, on est en normal. Ça devrait le faire. Ah voilà, les armes de corps à corps infligent 20% de dégâts supplémentaires. C'est ça qu'il nous faut. Nécessite force 2. Et nous l'avons. On a accès à tout de suite ou pas? Parce que c'est quand même bizarre. Rester à bonne distance de l'ennemi. Et viser toujours dans le mille. On s'en fout. Votre système digestif s'est adapté à la nourriture exotique. Oui. Vos dégâts augmentent de 5% et vos chances de persuasion sont plus importantes. Moi j'aime bien ces trucs là. C'est plutôt cool ça. Rien que pour les textes en plus. Alors les steam packs rendent 40% de santé, c'est toujours utile. Plus de munitions. Ouais, je pense pas qu'on sera en... On s'en fout nous en fait. On va taper avec tout ce qu'on trouve. Un bonus de dégâts de 5% à vos ennemis. Ah, et sanguinaire, ça vous le voulez. Hein. 5% de dégâts en plus. On va se le garder pour plus tard. On va quand même voir un peu ce que ça donne en normal. Furtivité, je pense pas que ça va être notre credo. Faut accéder au module d'armes de rang 1. Oui, plus tard. Quand voyager sans compagnon, ce qui est plutôt le cas. Combien? 15% de dégâts en moins, votre charge maximale augmente de 50 quand vous voyagez sans compagnon. Mais c'est vachement bien ça. Votre santé maximale augmente de 20, bon. Les résistances de la cible sont affichées en mode svav, on va pas faire beaucoup de svav. Level 3, level 4, ah ok. Ok. On va se contenter d'un truc simple, nous on veut taper plus fort. Confirmer le choix. Oui, je veux 20% de dégâts en plus, merci. Voilà, donc on va taper 20% plus fort. Ce qui devrait pas être dégueu. Comment ça, jambe gauche de pillard, c'est du... C'est du stuff. Attendez, mais si je comprends bien, je suis en slip, là. Avec juste la jambe. Ok. Ça me va. Non. Attendez une seconde, on va trouver le reste. Ah, je vois la jambe droite en cuir. Cagoule, ouais, on va trouver plein de trucs cool. Ils sont où les autres que j'ai tués? Là-bas. Plastron, voilà, on a tout. Regardez, on a presque tous les morceaux là. On a de quoi se faire une tenue. Chemise écossaise, oui, tout à fait. Cagoule avec tuyau, plutôt que le bandana, oui, ça passe. Alliance. C'est quoi Alliance? C'est le casque. Alors par contre, je vois pas de état des objets. Alors si les objets n'ont pas d'usure, c'est cool, parce qu'on va vraiment pas être emmerdé. Mais je trouve ça bizarre. Jambe droite en cuir, on va la mettre. Lunettes à monture noire, ça va pas avec quoi? Avec ma cagoule à tuyau. Bon tant pis, on va pas mettre de cagoule à tuyau. Brassard droit, on le met. Et j'ai eu un plastron, c'est quand même plus lucide de mettre un plastron. Voilà, il doit me manquer un truc sur un bras, je crois. Bon, ça passe. On n'a pas l'air trop con. Ah non, un casque, c'est mieux quand même. Ouais, mais elle me fait pas de défense plus que ça, donc... Gardons nos lunettes. La robe, non. Sous-vêtements longs. Hop, tout va bien. Ouais, c'est cool comme ça. On a notre matraque, tout va bien. Ça, c'est un coup aussi. Ok. Je voulais, avant qu'il y ait tout smergé et que mon chien détecte quelque chose, j'avais... Voilà, je voulais voir ces bâtiments-là qui sont ouverts. On n'est pas pressé d'aller voir des survivants. Et des petites ombres qui me stressent. Alors, bah voilà. Pourquoi aller voir des survivants quand on a tout à notre portée? J'espère que ça va pas être en mode tuto. Oh, encore, le verrou tient bon. Bon, ok, crochetage, ça va me manquer, ça c'est clair. Arme à verrou de fortune, fusil plus.
coup dans tout. Pour l'instant, je suis que dalle. Mon inventaire dit quoi? 124 sur 270. Ouh. Ouh. Large. Hep, toi là-bas. Jambière droite en cuir, je l'ai déjà, je crois, mais je la prends. Que de billard, ça, c'est pour se taper, ça, je la prends. Là, on a un autre bâtiment qu'on va pouvoir explorer. Je regarde vraiment vite fait, hein, parce que... Si je le prends, je sais plus, donc je le prends. Une cafetière, non, on a un grippin, mais on n'a pas la cafetière. Qu'est-ce qu'il y a, mon chien? Glacière de drogue, oui. Des thunes. Bah. Ah non, ça non, ça. Oh mon dieu, s'il me fait ça dans un endroit dangereux, je vais... Je vais crier, je crois. Oh mon dieu. Ok, toujours que dalle. Oh, grand bâtiment. Grand bâtiment avec zéro meuble. Quelque chose au dernier étage, là? Est-ce qu'on peut y accéder seulement? Ça a l'air d'être prévu pour qu'on n'y accède pas. Oh. C'est quand même pas l'homme qui saute le plus haut dans l'univers, hein. Et là, tu veux bien sauter, ok, donc c'est que c'est vraiment pas prévu pour y aller. Très bien. Donc on va se rapprocher quand même de ce qu'on nous a demandé de faire. Donc là, regardez, c'est pareil, on peut visiter. On va prendre le temps. C'est quoi ça? Oh. Je crois que je l'ai eu. Ok, je passe pas. Je dois faire à peu près 3 mètres de large parce que je ne passe pas. Armoire, on s'en fout. Sac d'engrais, oui, bien sûr. Je crois à quoi ça sert, mais oui, oui. Balai. À votre avis, le balai est-il une arme? Ah merde. Bon, on va varier un peu, on va prendre la queue de billard. Dégâts 26. Matraque est à 22. Quand elle est lente, poids 1. Le démonte pneu, 24, moyenne. Techniquement, le démonteur pneu serait une option envisageable. On va se taper un peu la queue de billard. Du scotch, oui. Nous n'avons pas de défense, je crois. Pour le crâne, c'est du moins. Ah, c'est pas moi. Je vous jure que c'est pas moi qui éternuais. Victoire! Attendez, est-ce qu'on peut toujours bouger les objets avec W comme avant? Non, pas du tout, c'est cool. Des fusibles, c'est toujours utile. Si on doit construire un camp, on aura besoin de fusibles. En fait, on va avoir besoin de 100 millions de trucs. Des ampoules, voilà, on prend. Ce qui m'embête, c'est de construire un camp. Ça va pas trop avec l'objectif d'être mauvais, quoi. Mais c'est... A priori, c'est un gros plus du jeu. Est-ce qu'on peut faire un camp de cannibale à la limite ou... Bon, on verra bien. On va faire ce qu'on peut pour être méchant, mauvais, mais... Rien qu'au début, finalement, regardez, quand on fait le début de Fallout 3, on peut tuer Butch et sa famille alors qu'on est encore dans l'intro du jeu. Alors que... Oh, je prends tout ça. Alors que là, ben, on a pu à peu près rien faire pendant l'intro, quoi. J'ai voulu troller le représentant. Mais au final, forcément, il n'y a pas de jeu si on lui répond pas, donc pas le choix. Pour l'instant, on n'a à peu près eu aucun choix scénaristique, je pense. On est qu'au tout début, mais bon. Enfin, au tout début, 3 épisodes sans aucun choix scénaristique, c'est embêtant. Pour un RPG, tout du moins. Attendez, on peut prendre une photo de famille avec mes potes. C'est mes potes de la paroisse. Non mais le chien, les fait pas tomber, bordel. Maintenant, comment je fais pour ma photo? Hein? Hein? J'aime me recueillir auprès des miens. Bon. Après cet instant... Oh oh. Y a rien dans l'église. Ah, peut-être bien que... Bonjour, monsieur. Voilà, merci, c'est ma place. Je suis embêté, j'aimerais bien pouvoir bouger
les objets, les personnages. Bon, tant pis, je me renseignerai. Je regarderai s'il y a... Oh oh, il y a rien pour moi là-dedans. Non. Un ventilateur, ok, non, peut-être pas, hein. Ouh, expert encore. Alors, il y a plein de coffres que je suis complètement incapable de faire. Compact, arme de fortune, fusil, oui. Et un cocktail Molotov qui vole, oui. Oui, je le prends. Mais c'est bien haut ici, c'est cool. Je veux que ce soit ma nouvelle base. Et c'est là qu'il faut que j'aille. Oh! Pas mal l'avion dans le... Ouh, c'est beau ça. On a une belle vue en fait du clocher, je vais me dire forcément. Nous on vient de par là, ça doit être la station essence. Traverser la ville par ici. Là il y a l'air d'y avoir une petite cour mais pas forcément grand chose à récupérer. Une bagnole, on voit pas grand chose hein, quand même. Par là ça a l'air d'être beaucoup plus urbain. Ouais, ça a l'air de commencer à être de la ville. Là c'est un putain d'avion qui s'est écrasé. Une antenne comme ça, je suppose qu'il y a un bâtiment. Et là, un gros bâtiment un peu à l'écart. Un gros bâtiment où... Ah, je sais pas. Ça peut être cool aussi. Bon, bref. Oh, mais... Faut que je prenne l'habitude de lui dire d'attendre à certains endroits parce que je crois qu'il... Je crois qu'il va être pénible hein, au bout d'un moment. YOLO! Bon, faudra revenir ici quand je serai meilleur en crochetage. Et je sais pas comment je vais devenir meilleur en crochetage. Où est-ce qu'on met ces points? Parce que j'ai ajouté aucun point là quand je suis passé niveau 3. Tableau d'aptitude. Stat. Aptitude. Force de frappe. Oui, ça c'est normal. C'est une bonne question. Tableau d'aptitude, mais ça on s'en fout. J'ai pas des stats, genre oui, tu as 22 en crochetage, 36 en... Logiquement, ce serait dans stats. Spécial, la statue. Tableau d'attitude. Radaway, j'en ai combien? J'en ai 2. Bon, on n'est pas pressé, hein. On n'a pas un gros malus pour l'instant. Pion. Ben, c'est une bonne question. Je sais pas comment ça monte, bon, on verra bien. Je regarderai hors épisode, sinon on va pas avancer. Putain de chien de troll. Tiens, cette rue-là, on l'a pas faite. Bon, on va pas avancer beaucoup. La sauvère, non. Bon, allez, on va prendre son flingue, mais... Je suis pas spécialement pour me battre. Ah, j'avais pas vu l'arme, hein. Merci. Ah, il faut vraiment que je l'utilise. Non, on s'en fout. Musée de la liberté, très bien ça. J'ai pas fait très attention à la durée de mon épisode, du moins de plus court que les premiers. Premier une heure direct. Ah, ça se bastonne direct dedans, moi j'ai pas le temps aussi. Attendez, on fouillera plus tard, je vais trouver un chemin. Impossible de crocheter ça. Ok, on va contourner, vous inquiétez pas, moi j'ai... Non, à l'occupation britannique. Je connais la route. Il y a un mec là-dedans. C'est plutôt cool cet endroit. Voilà, toi t'es pour moi. Pourquoi vous jouez tous les héros? Personne. C'est continué à tirer. Ah, vers le bas. Je serais plutôt d'avis d'aller voir vers le haut. Bon, on fera toute l'exploration après. Là, il y a un mec. Crève, putain! Là, il y en a un aussi, comment on le rejoint? Il m'a pas gaulé. Ça doit pas être très compliqué de le rejoindre. Ah si, il m'a gaulé. On va aller voir par là. Oh, peut-être un escalier.
là-bas en face. Ça m'a l'air pas déconnant. YOLO! Je suis pas passé. Oula. Ouais, ça ramène au même endroit. Petit escalier, s'il vous plaît. C'est un pillard, mais. Ah, ici, je crois. Non! T'aurais mieux filé! Oh putain, il me... Molo Kaira, hein. Moi, je suis pas un expert du corps à corps. Hein. Je suis pas du tout un joueur de corps à corps en temps normal dans ce jeu-là. C'est juste toi et moi. Attendez une seconde, on va trouver un truc pour se soigner quand même. Mangeons une ampoule, non. Le New Coca-Cola. Que me propose le New Coca-Cola? 20 PV, quelques radiations, ouais, on va voir New Coca-Cola. Très bien. Hop. Ok, ça c'est la fameuse porte que j'avais vue. On veut s'amuser avec moi, hein? On va pouvoir planquer. Par ici! Oh ouais! D'où tu tires à travers la porte? Oh, on m'a blessé. De la suite dans les idées, toi. Ils ont mis le feu à mon chien. Et à moi-même. Ah, on va prendre un petit steam pack quand même. Je sais pas s'il faut le soigner le chien. S'il crève, tant pis. Bah voilà, on a fait le nettoyage maintenant. On s'en fout de nettoyer les... T'es qui, toi? Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous tombez à pic. Preston Garvey, des miliciens du Commonwealth. Non, c'est pas ça. Vous avez une dette envers moi. Dette envers moi. Ouais, oh la gueule. Bien sûr. Je vous donnerai mon coffre plein d'émeraudes quand on sera tous sortis de ce merdier. Non. J'ai mes propres problèmes. J'ai mes propres problèmes, Garvey. Ah oui? Comme quoi? Si vous nous aidez, peut-être qu'on pourra vous donner un coup de main, nous aussi. Je veux ton chapeau. Mon fils. Mon fils Sean a été kidnappé. Il n'a même pas un an. Alors ça, c'est vraiment une vacherie. Désolé. Je sais que ce monde n'est pas facile. Il y a un mois, on était 20. Hier, 8. Et maintenant, plus que 5. D'abord, il y a eu les ghouls à Lexington. Pourquoi ça me parle, ça? Et maintenant, Lexington. Des ghouls. Monde cruel. On vit dans un monde cruel. Peut-être. Vous croyez que je ne le sais pas? Les trucs que j'ai vus et que j'ai dû faire. Bref, on pensait pouvoir s'installer à Concorde. Mais ces pillards nous ont prouvé le contraire. Non, c'est pas ça. Mais on a encore une idée. Super. Une bonne idée peut faire toute la différence. Sturges, expliquez-lui. Il y a un vertiptère qui s'est écrasé sur le toit. Ah bah oui, on l'a vu. Un vieux modèle qui date d'avant la guerre. Vous l'avez peut-être aperçu. Apparemment, un de ses passagers a laissé un truc pas piqué des hannetons. Je parle d'une authentique armure assistée T-45, modèle militaire. Ça me plaît. Ça me plaît. Je m'en doutais. Ouais, une excellente protection, avec un bonus non négligeable. Avec l'armure, vous aurez la force d'arracher le minigun du vertiptère. Et là, du coup, pour les pillards, c'est un aller simple pour l'enfer. Vous pigez? Non, j'ai pas pigé. Bah, bonne idée, bien sûr. Minigun, oui, je veux un minigun. Et je pourrais utiliser ce minigun comme un fusil? Je vois pas ce qui vous en empêcherait. Il a une gâchette et tout le reste. Suffit de viser dans la direction des méchants et d'arroser comme un malade. Pour ce qui est de l'armure, elle est à sec. Ses batteries sont sans doute vides depuis un bon siècle. On peut la recharger. Mais dans notre situation... Ok. Solution. Alors, quelle est la solution? Moi, je veux une armure. Vous allez avoir besoin d'un réacteur à fusion standard d'avant-guerre. C'est une batterie longue durée, si vous voulez. Mais nucléaire. Du genre qu'utilisait l'armée et certaines sociétés privées dans le temps. C'est parce que j'ai ramassé de l'oxygène. On ne peut pas y accéder. Il est au sous-sol, derrière une porte de sécurité. Écoutez,
Moi, je répare les trucs. Je bricole. Contourner les systèmes de sécurité, c'est pas vraiment mon truc. Mais vous, peut-être que vous pourriez essayer. Ça merde un peu les sous-titres. Hein. Je l'ai déjà ? On va dire peut-être. Je ne sais pas. On verra. Au moins, c'est pas un nom d'emblée. Écoutez, si vous parvenez à récupérer le réacteur à fusion, branchez-le sur l'armure assistée et prenez le minigun. À ce moment-là, les pilotes de l'univers. Ils ont fait l'erreur de leur vie. Bonne chance. Ok. Donc maintenant, on a surtout le temps de fouiller, quoi. Ouais, on va fouiller peinard, cette zone. Méfiez-vous. Quelque chose approche. Hey. Il y en a d'autres avec vous, je pas vrai? Je perçois. J'avais promis qu'on y arrive. Excellent. Trop bien, ils ont remis les figurines. Je gagne un point permanent en perception. Cool, on était nuls. J'avais promis, j'avais promis qu'on y arrive. J'ai pas tenu ma promesse. Pardon. Bon, les autres seront certainement mieux cachés. Hein, mais... Bon, bah, je prends vraiment le temps d'explorer. Si on ne peut pas rester piégé ici comme des rats. Vous allez bien ? Cette situation est ridicule. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Non. Ils vont pas super... Oh, il y a une porte. Ouvrons donc. Ah bah oui, c'est le balcon. Suis-je bête ? Hey. Ok, il y a des pillards sur des toits. Non mais je vais pas te parler, je vais juste rentrer. Et voilà. Non, j'ai pas... Les armes de corps à corps, ça marche pas très bien à distance. Quoi. On va mettre la lumière, là, ça tient... Ouh, trop sombre. Putain, il éclaire vachement bien le Pip-Boy comparé aux autres Fallout, par contre. Là, j'avoue qu'on voit clair. Un couteau de table, je le veux. Une fourchette en plastique, bien sûr. Que dalle. Je veux ce tableau... Oh, je veux ce tableau chez moi. Donc là, c'est là où il doit y avoir le truc, l'avion, enfin, le vertiptère, pardon. Mais je me demande ouais, si effectivement, j'ai pas déjà la batterie. Mais l'armure assistée est déjà là, quoi. Attendez, il y a quelque chose dans les bas, je le savais. Et ça, c'est le minigun. Au moins, les choses sont claires. Un jack-can d'essence, ça, je prends. Tout le monde sait qu'on va être post-apocalyptique. Tu ne descends pas faire un bras de causette avec nous. On dirait bien que c'est ce que j'ai déjà récupéré en fait. Hein. Ouais, c'est ce que j'avais trouvé. Je suis trop fort. Bah non, lève-le pas. Ah si. Donc là, je prends le minigun. Insensible aux chutes. Ah ouais, genre je prends le minigun et je bourre. C'est ça l'idée. Je crois qu'il y a quelque chose par ici. Il faut que je comprenne un peu parce que j'ai même jamais mis d'armure assistée dans les deux autres let's play. Bon allez, on descend. C'est vrai, en plus j'en ai jamais mis. C'est... Pour un joueur de Fallout, c'est ma première armure assistée. Et mon premier minigun probablement. Aussi. L'écorcheur. Oh, ça chauffe mon arme. Merde. Oh, j'aime pas les écorcheurs. Je crois qu'ils me bouffent là. Ma santé est faible. Où est-ce que je vois ma santé là-dessus? Ah, d'accord. Très bien. Très bien. Steampack, s'il vous plaît. Il
vitesse qui était parti. Qui m'a ouvert. C'est un peu curieux quand même. Alors, première mission du jeu. Salut. Bon, on te met un écorcheur, voilà. Voilà. Ah, c'était un peu dur. Ok, bon, bah ouais. J'avoue. Hop. Alors, est-ce que cet écorcheur était là par hasard? Parce que c'est la mission de ça. Terminé, prenez le minigun, débarrassez Concorde des ennemis. Bon sang. Pourquoi tu descends pas nous montrer ton joli flingue de plus près? Pas donné à tout le monde de tromper la vigilance de Méga. Il y a des gens derrière moi, je suis accroupi. Il y a le clébard. Et l'écorcheur. D'où est-ce qu'il est venu cet écorcheur? De là. Partie de la mission. Juste que j'étais de naze. C'est bien le vaisseau que je déteste dans le jeu, c'est bien l'écorcheur. Quelle horreur. Vas-y, prends. C'est vraiment, prends ça dans ta gueule, l'écorcheur. Oh. Prenons donc un steampack. Est-ce que j'ai des produits cool? Résistance aux dégâts plus 25. Ce genre de choses. Ralentit le temps pendant 10 secondes. Oui. Oh, merde. Non, non, c'est bon. Mets ta tartine à quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Ah putain, je veux une main d'écorcheur, je veux tous deux l'écorcheur. Team pack chien quoi? Ah quand il y a bleu... Ah merde! Qu'est-ce que j'ai foutu? Allez gros dur, amène-toi! Ouais mon chien déconne pas avec quand même. Donc le chien, bon c'est bien, s'il crève pas mais il fait ça. Plutôt cool. Bon, qu'est-ce qui reste? Allez, sortez, on n'a pas le temps, là. Ouais, moi, ça m'intéresse de savoir d'où vient l'écorcheur. Ok, on a une entrée vers un des bâtiments. Enfin, en même temps, si c'est de là que vient l'écorcheur, quoi, qu'il passait pas la porte, hein, il devait être là depuis un moment. Il doit encore y avoir des pillards. La question c'est de savoir où. On va passer par là. Bon bah on n'a pas de pillards par ici. Hein. Est-ce qu'on en a par là? Quelque chose, chien. Je suis pas sûr que c'était un pillard, mais dans le doute. On peut les fouiller. Non. Bon bah.
On peut pas avoir une arme de corps à corps avec ça, genre une grosse matraque. Rien que même des coups de poing d'armure assistée, ça doit être quand même surpuissant, non? Reste-t-il quelqu'un? En HP, je suis pas fou, hein, j'ai 40 HP. Est-ce que je peux... Est-ce que je peux, par exemple, tenir un démon top-pneu en étant en armure assistée? Oui! Cool! Même si je suis pas sûr que face à l'écorcheur, j'aurais fait long feu. Bah moi je veux bien, mais là je trouve plus de pillards. Hein. C'est pas pour être désagréable. C'est juste que j'en trouve pas. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne voir là-haut ou... Ah attendez. C'est quoi ce truc là? Ah oui, on peut y retourner en fait. J'ai pas capté. Donc je suppose qu'on est en mode tuto. Oui, bah si on faisait un camp, vous allez bien tous ensemble. Ah, Preston. Arrêtez de vous inquiéter pour rien. C'était vraiment impressionnant. Je suis content que vous soyez de notre côté. Je joue pour moi. Je suis de mon côté, Garvey. C'est le seul qui m'importe. Oh, c'est bien dommage. On n'a jamais assez d'amis dans le commun. Écoutez. Quand on s'est rencontrés, vous m'avez dit qu'on avait une dette envers vous parce que vous nous aviez aidés. Ouais, c'est vrai. Alors tenez, vous l'avez bien mérité. Ce n'est pas un coffre plein d'émeraudes, mais j'espère que ça suffira. Je prends. Tout est bon à prendre. Voilà une belle réaction de mercenaire. Enfin, si ça vous intéresse de vous battre un jour pour autre chose que votre propre intérêt, n'hésitez pas à nous rejoindre à Sanctuary. Quelqu'un comme vous me serait très utile. Okay. On a toujours besoin de gens efficaces. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Conservez bien cette force qui est en vous. Vous ne devez pas fléchir. Jamais. Car votre destinée ne s'arrêtera pas là. Aïe aïe aïe, putain, la vieille je pile. L'ai vu. Le trou. Dans votre cœur. Dans le cœur. Hein, J'écoute. Vous mentez. Mon destin. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'écoute. D'accord. Je vous écoute. Vous êtes un homme hors du temps. Vous n'avez plus d'espoir, mais tout n'est pas encore perdu. C'est peut-être elle, mon fils. Je sens l'énergie. Il est peut-être sorti il y a 80 ans et on ne sait pas. Il est toujours. Et il a changé de sexe. Où est Sean? Où est mon fils? Où est Sean? J'aimerais bien le savoir, mais ce n'est pas comme si je le voyais. Je sens juste sa force vitale, son énergie. Et je sais qu'il est là, quelque part. Il y a l'autre psychopathe qui lui braque un flingue sur la gueule à la vieille. Pour vous dire où vous devriez commencer à chercher. Le beau diamant vert du Commonwealth. Diamond City. La plus grande ville à la ronde. Diamond City. Il m'en faut plus, c'est vague. Diamond City. Ouais, Diamond City. Qu'est-ce qu'il y a à Diamond City? Sean est là-bas. Écoutez. Putain, faut que j'enlève mon armure. Je suis fatigué. Je suis moche. Si vous m'apportez des drogues plus tard, peut-être que la vision me donnera une idée plus claire de la chose. Non. On en a déjà parlé, Mama Murphy. Ces saloperies finiront par vous tuer. Oh, ça suffit, Preston. Il faut bien mourir un jour, de toute façon. On a besoin de la vision. Et notre nouvel ami aussi. Et maintenant, en route. Attendez, juste une seconde, parce que je voudrais voir. Puis-je enlever mon armure de truc sans... Sanctuary nous attend. Bon, grâce à notre camarade... Qu'est-ce qui me reste? Je comprends pas. Casque de chantier Alliance Brassard. Pourquoi j'ai encore l'armure, sachant que j'ai rien d'équipé?
C'est pas une bonne question, ça? Rad, on va pouvoir reprendre la route. On va aller à l'endroit que Mama Murphy connaît. Sanctuary. Ce n'est pas très loin. L'endroit qu'elle connaît? Vous voulez dire qu'elle l'a vue quand elle était complètement défoncée, oui? Et maintenant, vous voulez qu'on recommence à tourner en rond sans savoir où on va juste parce que Mama Murphy l'a vue? De toute façon, ça ne peut pas être pire que... Pas la peine de s'énerver. On est tous dans le même bateau, pas vrai? Alors, Marcy, vous avez une meilleure idée sur ce qu'il faudrait faire maintenant? Quelqu'un d'autre? Hein, Marcy? Dans ce cas, adjugez pour Sanctuary. Espérons juste que ce sera véritablement un sanctuaire pour nous. Regardez les pantoufles. Bien, June, il est temps d'y aller. Oh, d'accord. J'aimerais bien son petit costume en salopette, là, Sturge. Faire les poches. Des filles. Oh, j'ai piqué sa tenue de milicien. C'est parti! C'est ma tenue de milicien, on a dit. Ok, les mecs? Madame. En route. C'est vers Diamond City qu'il faut. Vous venez avec nous à Sanctuary? Je crois. Ça va? Je le savais. Sanctuary. Ouais. J'attends de voir. Je crois qu'on s'est pas fait un pote. C'est... Ouais, fais qu'on peut... On peut se démerder, hein, pour se faire des potes dans le jeu. Je suis salement touché. Je suis... Ok. Je peux toujours pas lui faire les poches. Putain, je suis deg, je voulais lui piquer sa tenue. Allez, on va à Sanctuary. En route. Maman Murphy. C'est à Diamond City que vous trouverez l'aide dont vous avez besoin. Eux, ils en ont rien à foutre. Mr. Jess. Je pensais qu'aucun d'entre nous ne sortirait vivant de ce musée. Mais c'est un malade, votre chef, là. J'en repasse sur mon chien. Tu t'as rien fait, auto. Ça va, tu t'es calmé un peu, là? Bon, allez, je vous laisse. Je rentre dans le bâtiment, vous me saoulez. On va arrêter l'épisode ici. Non, mais attendez, les mecs, on leur sauve la vie, on peut pas leur mettre un petit coup de matraque dans la poire, quoi. On peut pas leur piquer leur fringue. Franchement, je trouve ça décevant. Bon, bref. Faut que je trouve un moyen d'enlever mon... Il est où, mon chien? Ah, il est là. C'est cool. J'ai cru qu'il m'avait blessé le chien. Ouais, faudrait trouver un moyen d'enlever cette armure assistée. On ira les voir à Sanctuary au prochain épisode, juste pour voir si on a encore des griefs avec eux. On verra bien. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt pour un prochain épisode où je vais certainement essayer d'enlever cette armure parce que c'est bien joli, mais ça fait chier, c'est lourd, on se traîne, enfin bref. Allez, merci beaucoup d'avoir suivi, à bientôt pour un prochain épisode, allez, ciao.